Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du Tuto, nous allons voir comment faire une redirection sur un blog WordPress. Alors, peut-être que certains d'entre vous cherchent à rediriger en fait des pages d'un blog vers une autre adresse. Je sais que moi ça m'est arrivé sur Retour du Tuto, j'ai eu un lecteur aussi qui m'a demandé comment faire, donc là je vais en profiter pour faire un petit tutoriel vidéo. Donc, avant toute chose, c'est ce que je vais vous faire voir, on peut le faire simplement par un petit bout de ligne par le fichier .htaccess. Comme sur Retour du Tuto, j'aime pas compliquer les choses, j'aime pas faire voir l'envers du décor, je préfère simplifier au maximum les choses. Donc là, on va le faire avec une extension qui s'appelle donc tout simplement redirection. Donc vous allez dans le menu extension et vous cliquez sur ajouter. Ici, vous recherchez donc le mot-clé redirection. Vous cliquez sur chercher parmi les extensions. Et donc, vous allez avoir la première extension qui s'appelle redirection. Donc, vous la prenez. Vous cliquez sur installer maintenant. OK. Alors, vous allez voir que c'est une installation basique. Hein. Vous cliquez sur activer l'extension. Voilà, donc ici tout est installé, ensuite tout se trouve dans le menu outils. Vous avez un nouveau petit menu qui s'est ajouté, qui s'appelle redirection tout simplement. Donc l'extension est en français, donc comme ça il n'y aura pas de souci. Et première chose à faire, c'est rentrer l'URL source, c'est-à-dire l'URL que vous voulez rediriger. Donc par exemple je vais prendre, alors je vais ouvrir mes pages. Je vais par exemple rediriger cette page-là vers la page, par exemple, à propos. Donc là, vous allez voir, c'est tout simple. Ici, donc, je prends en haut mon adresse. C'est un vieux nom de domaine que je me sers là. Donc là, c'est cette page-là que je veux changer. Truc. Voilà. Ici, je vais dans mon menu. Et l'URL source, donc, c'est celle que je veux rediriger. Donc, ça correspond à une URL. Et l'action, je veux rediriger une URL. Ensuite, je veux la rediriger par exemple sur ma page à propos. Donc je vais copier mon URL à propos. Je retourne dans l'extension redirection et l'URL cible. Je colle ce coup-ci ma page à propos. Je clique sur ajouter la redirection. Et si je me dirige en fait sur la page truc, et ben elle sera automatiquement redirigée vers la page à propos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier. Donc là vous voyez bien que je suis sur ma page truc. Si je rafraîchis ma page, je suis automatiquement redirigé sur la page à propos. Donc voilà, si vous avez fait des petites erreurs sur des pages que vous voulez rediriger, voilà, moi je trouve que c'est utile. Moi je sais que voilà, sur Retour du Tuto j'en ai eu besoin. Voilà, donc je vous invite à tester cette extension qui est vraiment pratique et qui en quelques petites secondes vous avez vu vous rediriger vos pages. Donc l'extension redirection. Voilà, à bientôt sur Retour du Tuto.